Bonjour tout le monde. Une fois de plus, je veux vous remercier d'avoir pris votre temps personnel et précieux pour être ici ce soir. Je tiens à remercier Art Capossi pour avoir organisé cet événement. Et je tiens à remercier mon ami et collègue lanceur d'alerte, Jay Parker, pour le brillant travail qu'il a fait lors de la session d'ouverture du séminaire d'aujourd'hui. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule Démystifier l'occulte, chapitre 2. Du satanisme et de l'occulte sombre. Il s'agit de quelque chose dont j'ai une connaissance personnelle directe et d'expérience, et non pas de quelque chose que j'ai appris dans les livres. Je commence toujours mes présentations par des mises en garde, ou des avertissements si vous voulez. Je vais passer rapidement en revue cette section, car la plupart des personnes ici présentes sont déjà familiarisées avec mon travail. C'est donc plutôt pour les nouveaux auditeurs, les nouveaux observateurs qui regardent ça en ligne. J'ai aussi appelé cette section « Tourner la page » parce que, et nous allons revenir sur ce thème encore et encore, en fin de compte, ce qui compte dans le fait de dépasser cette mentalité dont je vais parler, c'est de briser l'ego humain. Il s'agit de la mort de l'ego. Il s'agit de dépasser son propre ego. Une grande partie de ces petits avertissements avec lesquels je commence ma présentation concerne l'ego humain et comment l'ego peut rendre les gens très récalcitrants à saisir l'information parce qu'ils sont trop préoccupés par des détails. Ils sont beaucoup trop préoccupés par des choses qui n'ont pas de réelle importance. La première chose que beaucoup de gens diront quand ils verront certains de mes travaux, c'est « il n'y a rien de nouveau ici ». Il ne présente rien de vraiment nouveau, ou aucune théorie qui lui sont propres. Je n'ai jamais prétendu faire ça. Il n'y a en effet rien de nouveau. Il n'y a pas de nouvelles connaissances humaines qui n'aient pas déjà été découvertes, que les gens n'aient pas connues par le passé, aujourd'hui, ou qu'ils n'apprendront pas dans le futur. Rien de nouveau sous le soleil. C'est l'un des plus vieux dictons occultes. Cela signifie que la vérité a toujours été là, à la portée de notre perception. L'ego est un obstacle à cette perception, cependant. Tout ce que je peux faire en faisant une présentation comme celle-ci, c'est lui donner mon style, vous voyez. Je peux lui donner ma propre vision des choses, mon sens de l'esthétique, lui appliquer mon propre sens de l'esthétique. Mais la connaissance n'est pas nouvelle. La suite, je l'appelle « Prenez vos responsabilités ». Je vais vous parler comme si vous étiez des adultes rationnels, capables de penser logiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont l'esprit d'un enfant. Je ne pense pas qu'ils soient dans cette pièce en ce moment. Mais il y a des gens qui, vous savez, veulent qu'on leur parle gentiment. Eh bien, mon style de présentation n'a jamais été comme ça. Il a été décrit par certains comme très intense, et parfois combatif, et je ne le cache pas. Je ne m'en excuse pas. La vérité est en guerre contre le contrôle mental et la tromperie. Donc, parler de la vérité est un acte combatif. Je ne présente pas des informations pour être aimé, pour me faire des amis ou pour gagner de l'argent. Je ne suis pas là pour faire un concours de popularité, d'accord? Si je voulais faire ça, je dirais aux gens ce qu'ils veulent entendre, pas des vérités inconfortables, qu'ils doivent accepter et qui visent à faire changer.
Je fais donc cela parce que je considère la présentation de ces informations comme une obligation morale personnelle de dire la vérité aux gens, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur ce qui se passe autour d'eux dans leur vie. Attention à ce que j'appelle, et ce que j'ai souvent appelé dans mon travail, le contrôle émotionnel de l'esprit. Le contrôle émotionnel de l'esprit signifie que vous allez évaluer les informations en fonction de ce qu'elles vous font ressentir. Au lieu de regarder les données réelles et d'essayer de déterminer si elles sont vraies ou non. Donc, deux choses que j'ai toujours demandé à tout le monde de faire quand je fais une présentation, c'est de mettre de côté les perceptions personnelles que vous avez de moi en tant que présentateur. Je ne suis pas la personne importante ici, ok? L'information est ce qui est important. Donc, ne vous laissez pas distraire par le son de ma voix, mon ton, comment je m'habille, à quoi je ressemble. Toutes ces choses sont insignifiantes, d'accord? Prêtez attention à l'information et soyez conscient que si vous rejetez une information simplement sur la base de ce qu'elle vous fait ressentir, c'est une erreur logique. Vous ne pouvez pas évaluer la véracité de l'information ou son authenticité en vous basant sur une réaction viscérale, émotionnelle, que vous pouvez avoir sur le moment. Je dis donc aux gens que si vous ignorez les informations que je vais présenter aujourd'hui, c'est à vos risques et périls, si votre ego tordu vous y incite. Nous n'aborderons pas tout aujourd'hui. Je ne pourrai pas aborder toutes les informations sur la connaissance occulte, même si j'avais plusieurs vies. Et encore moins en un séminaire de quelques heures. Ce n'est pas possible. Le champ de cette connaissance est gigantesque. Il est immense. Et donc, ceci est simplement censé aiguiser l'appétit de l'étudiant sérieux qui va aller faire des recherches plus approfondies par lui-même. C'est beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez. Il y a tellement plus de choses encore que les gens ne sont pas prêts à accepter. Beaucoup de gens vont remettre en question leur vision du monde en découvrant ces informations pour la première fois. Alors soyez prêts à y consacrer du temps et de l'attention, les monnaies spirituelles. Par ailleurs, ces informations sont comme une grande fresque. Elles sont destinées à être prises dans leur ensemble. Elles sont vraiment destinées à être prises avec tous mes travaux et recherches qui sont sur mon site web. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, restez jusqu'à la fin. Vous verrez tout le tableau si vous restez jusqu'au bout. Si vous ne le faites pas, vous allez manquer des informations sur la fresque. Pour tirer la valeur maximum de ce que je présente, je dis toujours aux gens d'aller sur mon site web, d'aller dans la section audio, la section des podcasts, et d'écouter ces podcasts dans l'ordre à votre propre rythme. Parce que c'est une sorte d'initiation, cette série de podcasts. Donc si vous voulez vraiment tirer le maximum du travail que j'ai produit, et si vous voulez vraiment élargir votre vision du monde, c'est à cette série de podcasts qu'il faut prêter attention et la suivre à votre propre rythme, mais la prendre dans sa totalité. L'autre chose que je veux dire aux personnes dont l'ego pourrait être un peu, vous savez, rebelle, c'est que, et j'entends cela tout le temps quand je commence à parler aux gens de l'occulte, ils me disent « je ne crois pas à tout ça ». C'est la croyance religieuse d'autres personnes, et donc ça n'a aucun effet sur moi. Eh bien, vous n'avez pas besoin de souscrire aux croyances de quelqu'un d'autre pour que cela ait un impact profond sur votre vie. Je considère que c'est probablement l'état d'esprit le plus naïf et le plus stupide de la planète que de dire « je n'ai pas besoin de regarder ces choses parce que je ne crois pas qu'elles soient réelles et donc je ne pense pas que cela puisse avoir un quelconque effet sur moi. » Je dis aux gens que c'est l'équivalent de dire « aucune des croyances religieuses les plus folles des gens ne peuvent m'affecter. » même s'ils agissent avec violence pour ces croyances, y compris d'une manière qui peut me faire extrêmement mal. Je veux dire, c'est vraiment de la folie. Il y a beaucoup d'extrémistes religieux dans le monde, et ils sont prêts à agir dangereusement en fonction de leurs croyances extrémistes et absurdes. Que vous croyez ou non en ce qu'ils croient ne fait aucune différence. Vous n'avez pas besoin de croire en ce qu'ils croient, ils y croient eux, et ils sont prêts à agir en conséquence. Je veux dire, c'est juste du bon sens, de la logique. Par exemple, si des extrémistes chrétiens de droite viennent tirer sur le planning familial, vous pourriez être pris dans les tirs croisés, alors que vous alliez simplement au travail. Les extrémistes religieux islamiques peuvent commettre des actes violents, fous, insensés, et les gens peuvent être affectés, sans avoir besoin de croire en ce qu'ils croient. Gardez donc cela à l'esprit lorsque je parlerai des systèmes de croyance des personnes qui dirigent actuellement le monde. L'autre question que je pose aux gens, quand je parle de l'occulte, c'est « qui est-ce que vous préférez écouter ?» Vous préférez écouter quelqu'un qui a lu des livres sur le sujet ?
des gens qui ont appris d'une manière indirecte? Ou êtes-vous prêt à écouter des gens comme Jay Parker et moi-même, qui avons été directement impliqués? Nous venons de l'autre côté. Nous venons de l'équipe d'en face. Vous savez, j'ai été prêtre dans la religion du satanisme pendant des années. Si vous vouliez en apprendre plus sur le christianisme, ou apprendre davantage sur le judaïsme et leur système de croyances, ou si vous vouliez en apprendre sur l'islam et sur leur système de croyances, ne pensez-vous pas que ce serait une bonne idée d'aller voir un de leurs prêtres, leur poser des questions sur le système de croyances auquel ils souscrivent et auquel vous souscrivez par votre adhésion? Ce serait probablement la bonne chose à faire. Donc, je ne donne pas de l'information de seconde main. Je vous le dis, c'est un système de croyances. J'y ai adhéré et j'ai été prêtre dans cette ancienne religion. Et Jay aussi vous donne un témoignage de première main, lui qui est en lien direct avec une lignée, une famille et une éducation satanique. Une expérience de première main, et non pas ce que d'autres personnes ont écrit ou raconté dans la société. Nous l'avons vécu. Donc vous voyez, c'est comme si nous avions été dans l'autre équipe, et que l'on apportait la stratégie de jeu de cette équipe pour vous expliquer ce qu'ils veulent faire. On a ramené ça avec nous quand on était de l'autre côté, dans l'autre équipe, parce qu'on a fait la défection. Et on essaye de dire, « Hey, voilà les jeux qui vont être joués. » Et vous savez ce que la plupart des gens font? Ils veulent vous arracher le livre de jeu des mains. Nous dire, « On ne veut pas entendre ça. » Vous voyez? Laissez-nous faire nos affaires. Laissez-nous croire ce que nous voulons croire. Pourtant, c'est vraiment ça. Vous avez quelqu'un du rang de prêtre qui vous explique son système de croyances. Et c'est comme si on vous donnait les plans de l'équipe adverse. Je recommande donc aux gens de prendre à cœur l'origine de ces informations. Pour la première section, je vais faire une brève revue de l'occulte en général. Et encore une fois, la plupart des gens dans cette salle connaissent ces informations. Mais notez que c'est aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon travail. J'ai donné l'année dernière un séminaire intitulé « Démystifier l'occulte ». En fait, c'était il y a 2 ans, presque 2 ans. Ça avait eu lieu dans le Connecticut. Art Capozzi l'avait également accueilli. J'y ai également expliqué ce qu'est l'occultisme et les nombreuses traditions positives qui la composent. On aurait pu l'appeler « Chapitre 1, l'occulte lumineux ». J'ai expliqué que toutes ces traditions occultes partageaient des points communs fondamentaux, à savoir la compréhension et la réception de la loi naturelle, c'est-à-dire les lois morales qui régissent toutes les conséquences comportementales dans nos sociétés. Et dans cette présentation, j'ai expliqué ce qu'est l'occultisme en général. Le mot « occulte » est dérivé de l'adjectif latin « occultus ». Occultus signifie caché hors de la vue. Beaucoup de gens pensent qu'occulte signifie le mal. Ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais signifié le mal. Cela signifie seulement caché. L'adjectif latin occultus, qui signifie caché, vient du verbe latin occultare, qui signifie caché, dissimuler ou garder secret. Ces deux termes sont dérivés à leur tour du substantif latin oculus, qui signifie œil. Donc, l'occultisme est lié à la vision. Il est lié à ce que nous sommes capables de voir, capables de percevoir ou de ne pas percevoir. Charles Webster Leadbeater, un occultiste du XXe siècle, disait « Comment définir l'occultisme ?» Le mot est dérivé du latin « occultus », qui signifie « caché ». C'est donc l'étude des lois cachées de la nature. Puisque toutes les grandes lois de la nature sont en fait à l'œuvre dans le monde invisible, bien plus que dans le monde visible, l'occultisme implique l'acceptation d'une vision beaucoup plus large de la nature que celle que l'on adopte habituellement. L'occultiste est donc l'homme qui étudie toutes les lois de la nature qu'il peut atteindre, ou dont il peut entendre parler. Et comme résultat de son étude, il s'identifie à ces lois et consacre sa vie au service de l'évolution. Voilà ce qu'est le véritable occultisme. C'est la reconnaissance des lois qui régissent profondément l'univers. Et dans l'étude de ces lois, comme nous allons le voir, ces lois opèrent dans le domaine personnel et elles opèrent dans le domaine physique. Elles opèrent à la fois dans les domaines physiques et métaphysiques. Les connaissances occultes sont détenues par très peu de personnes, malheureusement. Parce qu'une classe de prêtres, une superclasse d'occultistes, a décidé de confisquer ces connaissances et de les utiliser pour leurs propres bénéfices égoïstes.
Les masses de l'humanité restent ignorantes de ce qu'est l'occultisme et de son influence dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi le monde est asservi. C'est pourquoi les gens peuvent continuer à être manipulés et contrôlés. Parce qu'il y a une petite classe de gens qui savent tout sur ces lois de la nature. Et il y a un grand nombre de personnes qui ne veulent pas apprendre, à cause de la responsabilité qui accompagne cette connaissance. En fin de compte, les amis, l'occultisme n'est rien d'autre qu'une connaissance cachée. Et c'est une connaissance psychologique cachée, en fin de compte. C'est ce à quoi nous allons arriver. Quelle connaissance l'occultisme cache-t-il ? Quel est ce savoir caché dont nous parlons ? L'occultisme est un corps de science qui n'est pas largement connu de la population générale, consistant en un savoir caché sur le fonctionnement de la psyché humaine et sur les lois de la nature. En d'autres termes, à la fois les lois visibles, qui sont les lois physiques, et les lois invisibles, qui sont les lois spirituelles. Les arcanes mineures de la connaissance occulte, c'est-à-dire la connaissance inférieure, ou la connaissance microcosmique, la connaissance du monde intérieur, sont composées de la connaissance du soi humain, de la psyché humaine, de la façon dont elle fonctionne et comment elle peut être manipulée. Il y a également un ensemble de connaissances qui traitent des grandes lois de l'univers, les arcanes majeures, les lois macrocosmiques, la connaissance des corps célestes, toutes les forces de la nature et la loi naturelle. La loi naturelle est ce que j'appelle la loi morale cosmique, la loi morale universelle. Et encore une fois, j'en ai parlé en détail dans des séminaires précédents, notamment dans mon séminaire sur la loi naturelle. L'arcane majeur comprend également les lois physiques de la science, qui sont souvent occultées, parce que les gens qui contrôlent le monde ne veulent même pas que nous comprenions comment le monde physique fonctionne réellement, sans parler des lois spirituelles métaphysiques. C'est donc de cette connaissance que se compose finalement l'occultisme. Et je demande toujours aux gens, lorsque j'explique ces deux corps de connaissances, quelle connaissance d'une réelle importance n'est pas contenue dans ces deux corps de connaissances ? Et si vous gardiez ces deux ensembles de connaissances secrets pour les autres, et que vous les isoliez, à quel point pensez-vous pouvoir tromper les gens qui resteraient complètement ignorants de ces informations ? Pensez-vous que vous pourriez les contrôler complètement ? Eh bien, je ne pense pas que cela a été fait. Je sais que cela a été fait. Une autre chose dont les gens vont débattre, c'est que personne ne devrait s'intéresser à l'occulte. Oh, ne vous intéressez pas à tous ces trucs, c'est mauvais. Nous avons déjà éliminé ce mythe selon lequel l'occulte est quelque chose de mal en soi. Ça veut juste dire caché. Ce qu'il en advient est déterminé par le type de conscience que l'individu ou le groupe de personnes fait de cette connaissance. Comment l'utilisons-nous ? C'est la question principale qui doit être posée. Comment cette connaissance est-elle utilisée ? Ce n'est pas que nous ne devrions pas chercher à l'étudier ou la comprendre. C'est un outil neutre, comme toute connaissance. Toute connaissance est neutre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise connaissance. Il y a juste la connaissance et ce que nous en faisons. C'est donc la conscience de celui qui manie cette connaissance qui détermine si cette information et cette connaissance vont être utilisées pour le bien ou le mal. C'est comme prendre un couteau très aiguisé et préparer un repas sain pour votre famille et vos amis. Ce serait quelque chose de bon. Mais vous pourriez prendre ce couteau et aller voler quelqu'un avec, sous la menace du couteau, ce qui serait un acte de coercition et de mal. C'est le même couteau, c'est le même outil. On a juste différentes consciences qui manient l'outil dans des buts différents. Je pense que les gens doivent être beaucoup plus adultes dans leur façon de considérer les connaissances occultes. Ce n'est pas quelque chose d'interdit. Les occultistes sombres veulent que nous le considérions comme interdit, afin que nous n'apprenions pas ce qu'ils savent et que nous ne commencions pas à nous en servir pour nous émanciper. La connaissance occulte est, cependant, une lame à double tranchant. La connaissance contenue dans les sciences occultes peut être utilisée pour le bien, l'élévation de la conscience humaine, ou pour le mal, la manipulation, le contrôle et l'esclavage. Pour distinguer clairement les différentes utilisations de cette connaissance, personnellement, je fais référence à la connaissance occulte qui est employée vers l'expansion de la conscience humaine et la moralité comme l'occultisme lumineux. Et toujours personnellement, je fais référence à ce qui est utilisé pour la manipulation, le contrôle et la répression de la conscience comme l'occultisme sombre.
Les praticiens de l'occultisme lumineux pourraient être appelés des occultistes de lumière, des magiciens ou des ouvriers de la lumière. Ou alors, mon terme préféré pour désigner ces occultistes de la lumière, les désoccultistes. Je me considère comme un désoccultiste, ce qui signifie que j'essaie de dévoiler et de démasquer ces informations afin qu'elles puissent être données à tout le monde sur un pied d'égalité, qu'on puisse comprendre comment elles sont utilisées et qu'on puisse se donner les moyens de les utiliser. Et là, le terrain de jeu devient équitable. Ce serait une véritable équité. C'est cette connaissance qui va être le chemin vers la vraie liberté. Donc les désoccultistes, comme moi-même, répandent et révèlent la connaissance cachée qui doit être connue par tous pour que la liberté se manifeste. Les pratiquants de l'occultisme sombre, quant à eux, peuvent être appelés soit des sorciers, des occultistes noirs, des ouvriers sombres. Les occultistes de la lumière ont pu cacher des connaissances occultes pour certaines raisons spécifiques. Ils ont pu les cacher afin d'empêcher leur éradication complète pendant des périodes excessivement difficiles, ou en d'autres termes, lorsque les occultistes sombres régnaient. À d'autres moments, ils ont pu cacher cette connaissance pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de futurs occultistes obscurs, ou ceux dont ils savaient que le pouvoir qu'ils pourraient obtenir de ce savoir les pousserait à l'utiliser à des fins immorales de tromperie et de contrôle. Donc ces occultistes de la lumière ont parfois caché cette connaissance dans le passé, pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de ces occultistes sombres. Les occultistes sombres, quant à eux, dissimulent constamment cette connaissance pour une seule raison. Ils la cachent afin de créer et de maintenir un différentiel de pouvoir entre ceux qui détiennent ce type de connaissance et ceux qui l'ignorent. Les occultistes obscurs travaillent par la peur et la manipulation pour amener les gens à se conformer à leur propre volonté égoïste. C'est de la magie noire. Leur travail est sombre. Il se fait toujours dans le secret. Et il est constamment en contradiction avec la liberté et la prospérité de tous, sauf d'eux-mêmes. Les occultistes obscurs ont complètement infiltré et imprégné toutes les institutions de la vie sur cette planète. Ils maintiennent leur contrôle sur la population humaine par la manipulation de ces institutions. Cette manipulation et ce contrôle sont non seulement possibles, mais cela leur est relativement facile à accomplir, car la structure de toutes les institutions qu'ils dirigent et qu'ils ont mises en place sur la surface de la Terre est basée sur la hiérarchie et la segmentation. Cette hiérarchie est une chaîne de commandement, ou plutôt en réalité une chaîne d'obéissance. C'est là que réside le problème, la chaîne d'obéissance dans la hiérarchie. Et la segmentation ou le cloisonnement fait en sorte qu'un membre ne sait jamais ce que fait l'autre. Tous ces groupes semblent travailler de manière complètement isolée les uns des autres, mais ils sont en fin de compte contrôlés par un programme global qui sait comment ils s'assemblent, comme les pièces d'un puzzle. C'est la compartimentation. Ces deux choses sont la marque de fabrique de toutes les institutions qui veulent le contrôle. La hiérarchie et la compartimentation. Et enfin, dans le premier séminaire sur la démystification de l'occultisme, j'ai parlé des deux issues possibles pour la suite des événements. Et par ailleurs, j'ai comparé cela au grand sceau qu'on voit au dos du billet $1, parce que ce sceau parle de l'époque dans laquelle nous vivons, comme d'une grande période de transition pour la Terre et ses habitants. J'appelle ce sceau le monde en transition. Vous vous souvenez ? Anuit coeptis, qui veut dire qu'il ou elle favorise notre travail, soutient notre projet, en référence à Dieu. Dieu conforte notre travail. Très bien, mais quel Dieu et quelle œuvre? Voilà les deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que le Dieu de la création favorise votre œuvre? Bien. Mais si le Dieu de la création approuvait ce travail, vous essayeriez d'enlever les obstacles à la lumière qui sont représentés par les briques sur ce piège de lame, illustré dans une forme trapézoïdale ou cette pyramide inachevée. Nous l'aborderons plus tard dans la section sur le symbolisme. Si vous enleviez cela, la lumière rejoindrait la Terre et il n'y aurait plus d'obstacles à la lumière. Il n'y aurait rien pour nous alourdir. Cette pyramide est l'œuvre des occultistes sombres, les ouvriers du sombre qui font un grand travail pour bloquer la lumière du Créateur sur le monde. C'est pourquoi j'ai fait de ce symbole le symbole du grand œuvre. Il s'agit de la vérité, de la liberté,
de l'amour qui triomphe dans le monde. L'illumination universelle, par la réception de la connaissance occulte, la sagesse divine. Le vrai grand œuvre de l'occultiste de la lumière est la distribution de la connaissance occulte librement à l'humanité, mettant ainsi fin à l'esclavage de l'humanité, en éliminant l'ignorance généralisée que les occultistes obscurs exploitent pour obtenir et maintenir leur contrôle. D'un autre côté, si les occultistes obscurs achèvent leur obscur nouvel ordre mondial, vous aurez un monde basé sur l'obscurité et l'esclavage. Un monde sans lumière, sans la lumière du divin. Ce symbole signifie, ici à droite, que les occultistes obscurs dirigent d'une main de fer une population ignorante et asservie. Le grand travail de l'occultisme sombre est de maintenir l'humanité dans un état d'inconscience générale et d'esclavage et de resserrer ce contrôle jusqu'à ce qu'ils obtiennent un triple objectif. Ils souhaitent être invincibles, invisibles et immortels. C'est le but de l'occultisme obscur. Ils veulent un contrôle total. Ils veulent que personne ne soit capable de voir leur contrôle total ou qui ils sont. Et ils veulent vivre éternellement dans le monde physique. En d'autres termes, ils veulent maintenir et renforcer ce contrôle au point de devenir littéralement Dieu sur Terre. Voilà ce qu'est l'occultisme obscur. Cela fonctionne dans ce monde à travers quelque chose qui est connu sous le nom de satanisme. Quand vous dites ce mot aux gens, il y a un million de choses différentes qui passent par leur tête. Et la plupart de ces interprétations sont complètement, affreusement fausses. La plupart des gens qui pensent avoir une idée de ce qu'est le satanisme n'ont absolument aucune idée de ce qu'est réellement le satanisme. Ils ne veulent pas savoir ce qu'est vraiment le satanisme. Ils ne veulent pas savoir, quand je leur dis, en tant qu'ancien prêtre de cette religion, ce qu'impliquent les croyances de cette religion. Leurs yeux s'écarquillent et ils ne veulent rien entendre, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils entendent, c'est qu'ils s'identifient à certaines de ces croyances. Et il y a une raison à cela. C'est ce que les occultistes de l'ombre ont essayé de faire. Ils ont essayé de façonner le monde à leur image et à leur ressemblance. C'est ce que fait Dieu, n'est-ce pas? Ils veulent que les gens adhèrent à leur système de croyance à un niveau inférieur. Parce que les gens qui adhèrent à ce système de croyance dont nous allons parler ne peuvent pas contrôler les gens qui ne sont pas dans ce système de croyance. Pour être contrôlés et réduits en esclavage, les gens doivent, à un certain niveau, être adeptes de cette religion. Et c'est pourquoi les gens ne veulent pas connaître le vrai satanisme. Ils veulent penser à la variante hollywoodienne ou à la version christianisée. Ou, comme Jay l'a dit, la variante constantinienne, pourrait-on dire. Les fausses notions de satanisme abondent partout, les amis. Vous savez, ils veulent que nous identifions ce système de croyance, que tout le monde identifie ce système de croyance, strictement comme le culte de l'entité chrétienne appelée Satan ou le diable. Et je vous assure que même si certains satanistes peuvent adhérer à des systèmes de croyance de ce genre, pour l'écrasante majorité d'entre eux, cette divinité n'a absolument rien à voir avec leur système de croyance. Du tout. Du tout. Et vous pouvez accepter ça ou le rejeter. Je sais que les gens qui ont une tendance très chrétienne, ou encore une fois, une tendance constantinienne, ne vont jamais accepter cela, à cause de ce que leur religion leur dit. Et c'est exactement ce que les satanistes veulent leur faire croire. Ils veulent que les gens croient qu'on vénère simplement cette entité, et qu'on prie cette entité, et qu'on lui donne notre dévotion. Ils ne veulent pas que les gens comprennent ce qu'il en est vraiment, comme nous allons le voir. Et il ne s'agit pas seulement, vous savez, de païens ou de wiccans, etc., qui vont dans les bois et qui font des cérémonies et autres, vous voyez? Est-ce que ça peut être lié? Oui, ça l'est, parfois. Je ne vais pas nier que de tels rituels ont lieu. Mais encore une fois, la plupart de ces personnes ne sont pas des satanistes, et ils n'adhèrent pas forcément à la forme idéologique réelle du satanisme. Vous devez donc comprendre la distinction entre ce que j'appelle les notions erronées du satanisme et ce qu'est le satanisme en tant que réseau mondial, en tant que religion ancienne et en tant qu'ensemble de systèmes de croyances et de pratiques. La différence est énorme entre ces deux variantes du satanisme.
D'accord. C'est un équivalent à la différence qu'il y aurait avec quelqu'un qui vivrait réellement selon les paroles du Christ dans le Nouveau Testament et qu'on pourrait considérer comme un vrai chrétien ésotérique. La plupart des soi-disant chrétiens qui peuplent le monde d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec l'authenticité de cette vie, ses croyances, ses écrits et ses œuvres que l'on trouve dans le Nouveau Testament. D'accord. Il s'agit juste pour eux d'accepter ce que l'Église dit et d'accepter cette notion salvatrice du christianisme. Donc, encore une fois, tout comme le christianisme peut signifier beaucoup de choses pour différentes personnes, le satanisme peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Je tiens à préciser que la forme de satanisme dont je parle est l'idéologie qui dirige le monde et le maintient en esclavage. C'est ce que j'appelle le satanisme idéologique. Le satanisme idéologique est une religion ancienne ou un culte, composée de réseaux divers et interconnectés, qui connaît une adhésion mondiale à ses systèmes de croyances idéologiques. Au cœur de son idéologie, cette religion postule que la connaissance de la psyché humaine et des lois de l'univers doit être occultée, c'est-à-dire cachée et détenue uniquement par un très petit nombre d'êtres humains avertis. Il est beaucoup plus juste de percevoir les satanistes et les occultistes sombres en général comme d'anciens psychologues qui détiennent et manient des informations cachées de manière à exploiter ce qui reste encore ignorant de ces connaissances. Vous devez considérer cela comme de la psychologie ancienne. Il s'agit de psychologues à qui l'on a transmis dans leur lignée, depuis un passé ancien, toutes les connaissances sur le fonctionnement de l'esprit humain et toutes les connaissances sur le fonctionnement des véritables lois de la nature. Et puis ces lignées sélectionnées ont caché ces connaissances aux autres, et elles infligent une quantité de dégâts effroyables sur leur esprit. Et nous ne sortirons pas de ce fléau qui est infligé sur l'esprit des gens de la planète jusqu'à ce que nous sachions ce qu'ils savent. Acceptez-le, c'est la vérité pour tous les temps. Tous les religieux autour qui insistent en disant « Non, vous ne devriez pas regarder ça. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et vos égos vous en empêchent. » Et c'est ce qu'est Satan. Satan est la force égoïque de l'identification de soi qui ne permet pas à un être humain de dire « J'avais tort et j'ai été trompé. » C'est ce qu'est Satan en fin de compte. Grâce au différentiel de pouvoir que les satanistes ont créé en manipulant ce qui reste dans l'ignorance de ces connaissances occultes, cette petite minorité de gens qui sont dans le savoir souhaite gouverner de façon permanente les masses de l'humanité et devenir effectivement Dieu sur Terre. C'est l'un de leurs objectifs, absolument. Ils ne veulent pas vénérer une divinité, ils veulent devenir une divinité. C'est ce que croient les satanistes. Il est important de comprendre que, contrairement à la croyance populaire, l'écrasante majorité des satanistes n'adore pas une divinité extériorisée connue sous le nom de Satan, issue de la tradition chrétienne, au sens d'un être, mais ils voient plutôt le satanisme comme une façon idéologique d'être dans le monde. Et ils considèrent la conduite par l'ego et l'identification par l'ego comme le dieu de leur religion. Les amis, c'est absolument ça, bien plus que les individus que vous voyez à l'arrière de l'image ici. L'individu qui est à l'avant de cette diapositive a beaucoup plus de chances d'être un sataniste, beaucoup plus de chances d'être un vrai sataniste. Et pourtant, c'est une personne que l'on regarderait et dont on dirait « Waouh, ça a l'air d'être un bonhomme d'affaires, qui roule probablement sur l'or, jeune, joli et en costume trois pièces, qui travaille probablement pour un grand cabinet d'avocats ou une grande agence de publicité. Qui ne voudrait pas être dans cette position ?» Et je vous garantis que même bien plus que des individus comme ceux de derrière, quelqu'un comme ça aura bien plus souvent dans son esprit l'idéologie satanique. Je vous le garantis. Pourquoi nommer cette religion ou idéologie d'après le Satan biblique ou chrétien? Les symboles et les attributs du diable ou du Satan chrétien sont utilisés dans le satanisme moderne. C'est effectivement une réalité. Et pour deux raisons principales.
La première raison pour laquelle ces symboles sataniques piégeux sont utilisés est d'essayer de faire en sorte que les personnes étrangères au satanisme voient le satanisme comme, entre guillemets, une autre croyance religieuse ridicule basée sur les systèmes de croyances chrétiens traditionnels. C'est ce qu'ils veulent que les gens de l'extérieur pensent. Oh, ces satanistes qui utilisent le nom de Satan, ils croient des trucs chrétiens, ils adorent le diable chrétien. C'est comme ça qu'il est facile de détourner les gens de l'idée de ce qu'est le vrai satanisme idéologique. Et nous allons parler de leur doctrine et de leurs principes. La deuxième raison pour laquelle ils utilisent ces symboles et ces pièges est d'associer le satanisme à cette dynamique contradictoire à la nature, ce que signifie étymologiquement Satan dans la langue hébraïque. La dynamique antagoniste à la nature dans le monde occulte est appelée l'involution, le processus qui va à l'encontre de la véritable force évolutive ou de l'évolution de la conscience. L'involution retient la conscience et la maintient dans un état d'esclavage. Le mot Satan lui-même vient du mot hébreu Shin Tav Nun final, tel qu'éplé ici en hébreu. Et ce mot signifie adversaire ou opposant. Donc, encore une fois, le satanisme est la force d'opposition, la force qui travaille contre la véritable évolution de la conscience. Le satanisme consiste en définitive à s'opposer à l'ordre véritable de la loi naturelle. Et la loi naturelle, ce sont les lois universelles de la moralité, qui régissent les conséquences comportementales des êtres doués de la capacité d'intelligence holistique et du libre arbitre, c'est-à-dire les êtres humains. Nous sommes dans cette catégorie d'êtres, donc la loi naturelle s'applique à nous, les lois de la moralité s'appliquent à nous. Et en fin de compte, ce qu'est le satanisme, et ce qu'est tout l'occultisme sombre, c'est la lutte contre la loi naturelle, l'ordre véritable. Ils veulent le renverser sur la tête et établir leur propre soi-disant ordre, qui n'a pas de fondement, qui n'est pas un ordre. C'est le chaos et l'esclavage. Alors, parlons de mon histoire personnelle et de mon implication personnelle dans le satanisme. Je n'aurai pas beaucoup de photos, malheureusement. En fait, en faisant cette présentation, j'ai réalisé que j'avais très peu de photos de moi à l'époque, ou même des photos avec ma famille. Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup la nostalgie. Je ne l'ai jamais été. Vous savez, j'ai toujours eu tendance à vivre dans le moment présent et à avoir cette idée de conscience du moment présent. Donc je ne garde pas vraiment beaucoup de photographies. En numérique, aujourd'hui, j'en fais plus que par le passé. Mais dans le passé, j'ai eu très peu de documentation photographique. On peut dire que je n'étais pas un très grand photographe. Voici donc une photo de moi datant du milieu des années 90, quand j'étais à l'apogée de mon engagement dans le satanisme. Je suis née dans une famille traditionnelle et typique, catholique romaine, italo-américaine du sud de Philadelphie. Dans ma jeunesse, j'ai accepté sans trop me poser de questions une grande partie du dogme religieux qui m'était inculqué par les membres de ma famille et les professeurs d'école. À la fin du collège et au début du lycée, j'ai commencé à remettre en question ces croyances religieuses dogmatiques. Mais parce que je n'avais pas de connaissances en astrothéologie, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel une grande partie de la religion est basée, comme vous pouvez l'examiner dans mon travail sur mon site web et dans mes autres vidéos. Parce que je n'avais pas de connaissance de l'astrothéologie à l'époque, ce qui aurait pu m'aider à mettre en perspective cet endoctrinement religieux, la remise en question que je subissais s'est transformée en une colère et une rage extrêmes. Et j'ai agi en fonction de cette colère et de cette ignorance en disant « Je vais chercher et trouver le pôle contraire. Je vais chercher et trouver l'antithèse de ce système de croyances chrétiennes dans lequel j'ai été endoctrinée et dans lequel on m'a menti sur ce que c'était vraiment. » Et j'ai trouvé ce pôle opposé sous la forme du satanisme lavéien, dont je vais vous présenter les détails. Mais le satanisme et l'occultisme obscur en général étaient les idéologies vers lesquelles je gravitais. Et je l'ai fait comme une rébellion contre le système de croyance dans lequel je suis né. J'ai commencé à adhérer à travers mes propres écrits et à travers ma propre musique
à l'idéologie de la branche du satanisme appelée satanisme lavéien. Et j'ai formé un groupe de death metal dans le passé qui chantait l'idéologie du satanisme. Il s'appelait Insatanity, un mélange du mot insanity et de Satan. Nous avons été signés assez rapidement par un label européen en Grèce, et on a sorti un album complet qui s'appelait Divine Décomposition, la photo à gauche. L'album promouvait l'idéologie satanique, en particulier l'idéologie du satanisme de la veille, dans les paroles. Et j'ai aussi écrit et promu l'idéologie satanique dans des revues et de nombreux magazines. On les appelait les fanzines. On n'en voit plus beaucoup de nos jours, mais à l'époque, avant Internet, avant les blogs, vous voyez, c'était les blogs du début des années 90. J'écrivais donc pour des fanzines et j'incitais à l'idéologie satanique. Au bout d'un certain temps, une partie de mon travail d'écriture et de musique a été remarquée par Anton LaVey. Il était à l'époque le grand prêtre de l'organisation appelée l'Église de Satan, qui opérait à San Francisco. Son siège a depuis été transféré à New York. LaVey lui-même, en mars 1997, m'a accordé le rang de prêtre au sein de l'organisation appelée l'Église de Satan. Et il l'a fait lui-même. Je n'avais pas demandé cette nomination. Il m'a nommé parce qu'il pensait que j'étais un excellent porte-parole de l'idéologie. Il a donc souhaité me donner ce rang, et il voulait que je vienne à San Francisco et que je le rencontre. Et il voulait que je dirige une grotte sur la côte Est. Les grottes sont le nom que les satanistes donnent à leur congrégation. C'est comme une assemblée dans la Wicca ou d'autres religions païennes. On m'a donc proposé de diriger une grotte sur la côte Est, ce que j'ai refusé par la suite. Je l'ai refusé parce qu'à l'époque, je considérais le satanisme uniquement comme un système de croyances personnelles à utiliser pour des objectifs personnels. Et je n'aimais pas, et je n'aime toujours pas, la pensée de groupe, les idéologies de groupe, les congrégations, etc. J'ai donc refusé de diriger une grotte, mais j'ai accepté de faire partie de la classe des prêtres de la religion. Et LaVey et d'autres satanistes m'ont mis en contact avec de nombreux satanistes dans la grande région de New York. J'ai commencé à assister à des rituels dans mon agglomération et à faire connaissance avec d'autres personnes impliquées. Nous y reviendrons dans un instant. Voici ma nomination officielle, le papier qui est arrivé par la poste et qui m'a nommé au rang de prêtre dans l'église de Satan. Il est signé par LaVey lui-même. Il est mort environ un an plus tard. Et la lettre de droite est de sa compagne, Blanche Barton. Je vais lire les deux. Il est dit, du bureau d'Anton Sander LaVey. Qu'il soit connu en ce jour, le 19 mars de l'année 32, qui se traduit par l'année 1997, Marc Rocard a été nommé à l'office des prêtres de l'Église de Satan et est habilité à agir en cette qualité. Signé Anton Sander LaVey. Il n'y a pas le nom Passio, parce que je n'ai pas utilisé mon nom de famille légal quand j'étais impliqué dans le satanisme. J'ai choisi un nom basé sur un nom de démon, que j'expliquerai sur la prochaine diapositive. La lettre de Blanche Barton, à droite, a été écrite le lendemain. Et encore une fois, les 19 et 20 mars sont des dates très importantes. Ce sont les dates de l'équinoxe de printemps. Nous verrons pourquoi ces dates sont importantes plus tard dans la présentation. Mais il est dit à M. Marc Rocard, avec mon adresse personnelle, « Cher M. Rocard, le docteur LaVey a été favorablement impressionné par l'habileté et la maîtrise dont vous avez fait preuve dans diverses occasions de représenter l'Église de Satan et le satanisme en général. Vous avez prouvé que vous étiez magiquement et matériellement apte. Par conséquent, il a estimé qu'il était grand temps de vous accorder le titre de prêtre en reconnaissance de votre dévouement, de vos connaissances et de vos capacités. Félicitations, révérend Rocard. Continuez à nous tenir au courant de vos activités, de vos interviews et de vos sorties musicales. Que les feux de l'enfer continuent à vous renforcer et à vous inspirer. Gloire à Satan, Blanche Barton.
Elle effectuait des tâches de secrétariat pour Anton LaVey, le grand prêtre de l'église de Satan à l'époque. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux préciser que tout cela ne veut pas dire grand-chose, ok? Cette organisation est de très, très bas niveau dans le réseau hiérarchique mondial du satanisme. Un niveau extrêmement bas. Et je vais vous expliquer où elle se situe dans cette hiérarchie. Mais pensez que parce que j'ai été nommé à un sacerdoce de bas niveau, dans une organisation de bas niveau, que cela fait de moi une sorte de gros bonnet dans la hiérarchie mondiale satanique, c'est faux. J'ai vu des choses à ce niveau très bas, et c'était déjà beaucoup. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu, ou d'avoir la connaissance de quelqu'un comme Jay Parker, qui est né dans une famille très impliquée, d'accord ? Il a vu des choses que je n'ai certainement jamais vues. Mais encore une fois, j'en ai assez vu pour savoir que c'est certainement là que ça se passe. Sans aucun doute dans mon esprit. Le nom que j'ai pris, je vais brièvement l'expliquer, provient d'un texte gnostique qui faisait partie, je crois, de la bibliothèque de Nag Hammadi, appelé le Pistis Sophia, qui signifie la sagesse de la foi. Et c'est essentiellement une conversation entre Jésus et Marie-Madeleine. Et dans une partie du livre, Jésus décrit ce qu'est l'enfer. Quand, vous savez, dans cette tradition gnostique, quand les pécheurs meurent et vont en enfer, ils sont placés dans certaines zones de châtiment. Donc, ils subissent un certain nombre de tourments, et puis ils apprennent leurs leçons sur ce qu'ils ont fait de mal. Un peu comme sur Terre, en fait. Mais voilà. Voici d'où je tiens le nom que j'ai choisi pour le satanisme. Dans le Pistis Sophia, Marie dit à Jésus, « Quelle est la nature des ténèbres extérieures, c'est-à-dire l'enfer, et combien de régions de châtiment y a-t-il en elle ?» Jésus répondit et dit à Marie, « Les ténèbres extérieures sont un grand dragon, dans la queue et dans sa gueule, à l'extérieur du monde et entourant le monde entier. À l'intérieur, il y a 12 puissants donjons de châtiment, avec un chef dans chaque donjon, chaque chef ayant un visage différent. Dans le 11e donjon, il y a une multitude de chefs, et chacun d'eux a 7 têtes de félin. Le grand souverain qui les dirige dans cette région s'appelle Rokar. Je suis né sous le signe du lion. Je me suis toujours fortement identifié au grand félin, le lion, le tigre, etc. Je les considère comme mes animaux familiers. Je voulais donc choisir un démon symbolique qui soit approprié à mon signe solaire, le lion. Et donc j'ai choisi Rokar, à partir d'un texte chrétien gnostique. J'ai immédiatement commencé à reconnaître, en participant à des rituels dans ma région, que le satanisme n'était pas ce que je croyais qu'il était à l'origine. Au fur et à mesure que ma participation augmentait et que j'assistais à des réunions et des rituels organisés par des groupes sataniques dans ma région, j'ai commencé à prendre conscience qu'il ne s'agissait pas d'un groupe isolé d'individus qui travaillaient simplement avec une connaissance occulte pour leurs propres raisons personnelles. Dans ma perception, ma motivation était la suivante. Si je peux avoir une longueur d'avance sur les autres et que je peux arriver au sommet, je pourrais manipuler les gens et gagner plus d'argent qu'eux. Et je pourrais avoir une plus grande influence, peut-être. Vous voyez, obtenir un job à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, tout ça me donnera une longueur d'avance sur les autres dans le monde. Et c'était vraiment mon état d'esprit, basé sur mon ego à cette époque. Je veux des choses pour moi, je ne veux servir que moi et ma personne. Et si je dois faire un certain nombre de manipulations contre les gens pour obtenir ce que je veux, alors qu'il en soit ainsi. Et c'est pourquoi j'ai été fortement attiré par l'idéologie du satanisme, parce que c'est ce qu'est le satanisme en substance. Surtout le satanisme de bas niveau. Alors quand j'ai commencé à participer à des groupes de satanisme, en d'autres termes, à des réseaux de satanisme, j'ai réalisé que ce n'était pas ça, que c'était bien plus important que ça. Cela implique bien plus que cela, et il s'agit en fait de contrôler les gens. Vous voyez, je voulais prendre le dessus sur les autres, parce que j'en savais un peu plus qu'eux. Mais pour autant, je n'étais pas pour l'esclavage humain,
Je ne l'ai jamais été. Et quand j'ai commencé à réaliser que c'était ce qu'était le satanisme à un niveau beaucoup plus élevé, je me suis dit « Waouh ! » J'ai besoin de me maîtriser et de prendre du recul. Donc, ces groupes de satanistes étaient composés d'un éventail éclectique de personnes de tous les milieux et de toutes les institutions sociales possibles sur la planète, y compris la politique. D'accord ? Il y avait des gens qui se présentaient à des postes politiques à tous les niveaux. Des politiciens locaux et nationaux. Dans la justice, il y avait des avocats liés à ces réseaux satanistes, des juges, des banquiers, des gens dans les médias, des gens dans le domaine militaire, dans l'armée et dans la police. Ces rangs sont, croyez-le ou non, remplis, beaucoup plus que vous ne voudriez même le croire ou le penser, de policiers et de militaires qui sont directement impliqués dans les grottes sataniques. Des gens dans le divertissement, même dans le sport, dans la médecine, des médecins, et bien sûr, des enseignants. Beaucoup d'enseignants que j'ai vus, et surtout au niveau universitaire, étaient présents lors des rituels sataniques. Il y a une raison à cela. Ils mettent leurs membres dans des positions de pouvoir. Ils les intègrent dans toutes les institutions sociales. C'est comme ça qu'ils font leur travail. C'est ainsi qu'ils font avancer leur agenda de groupe. Ces gens occupaient des positions de grande influence et de pouvoir dans toute la société. Et au fur et à mesure que mon implication avec eux grandissait, je me suis rendu compte qu'ils ne travaillaient pas séparément vers leurs propres objectifs individuels comme je le faisais. Au contraire, ils travaillaient ensemble, comme une unité soudée au sein d'un réseau mondial hiérarchisé vers un objectif commun. Et ce but était d'accroître leur propre pouvoir collectif, au détriment de la liberté de tous les autres. En d'autres termes, ils voulaient devenir les rois du monde et asservir tous les autres par la même occasion. Voilà ce qu'était leur objectif. Et ils en parlaient ouvertement et simplement. Je ne sais pas combien de personnes se souviennent de ces gens du BLM. Vous savez, qui, lors d'un banquet, parlaient de la façon dont ils trompaient tous ces gens, en leur achetant leurs terres pour moins que rien, tout en riant de la façon dont ils ont simplement volé à de vieux vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui vivaient ensemble sur ces lotissements, ces lots de propriété quelque part au Nouveau-Mexique, ou quelque chose comme ça. Et il y avait une mine qui valait plus de 40 millions de dollars. Et ils l'ont acquise pour quelques miettes. Et ils en riaient. Et ils riaient de la quantité des terres qu'ils avaient entre les mains du gouvernement par rapport à la quantité de terres encore détenues par le public. Et ils s'en vantaient en disant qu'ils possédaient toute la partie ouest du pays, en pensant que c'était drôle qu'ils aient aidé le gouvernement à faire ça. Mais vous voyez, ils ne savaient pas qu'il y avait une caméra cachée dans cette pièce. Donc, ils en parlaient de manière très flagrante et ouvertement, en disant même « Nous sommes les méchants, nous volons l'argent, nous trompons les gens sur la vraie valeur de leur propriété, et nous les leur prenons pour quelques sous. » Des choses comme ça, ouvertement. Et puis en riant de tout ça, et en s'amusant. Voilà à quoi ressemblaient les rituels et les réunions sataniques. Ces gens parlent de manière très directe entre eux. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment le faire, ils le font, et ils en rient. Et voici pourquoi j'ai finalement décidé d'en sortir. J'avais encore un peu de conscience à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup, je l'admets, j'étais limite psychopathe dans ma jeunesse. Parce que je n'ai pas eu de réelles connaissances en grandissant. Mes besoins matériels étaient comblés. Je n'ai jamais manqué de rien de tout ça. Mais émotionnellement et spirituellement, est-ce que j'ai vraiment eu une bonne éducation? Est-ce que j'ai vraiment été élevé? Non. On m'a appris à ne pas essayer de faire du mal aux autres, des choses comme ça, ce qu'on nous apprend tous. Mais est-ce qu'on m'a appris quelque chose sur ce qui se passait vraiment dans le monde? Non. Est-ce qu'on m'a appris à m'impliquer dans les choses qui sont vraiment justes et à prendre position contre le mal? Non.
On n'a pas activé chez moi une vraie connaissance. C'est ce que le but d'une vraie éducation parentale devrait être si on prend la responsabilité d'amener un enfant dans le monde. D'accord ? Et ça n'a pas été fait avec moi. Et je ne dis pas que je déteste ma famille à cause de ça. C'est qu'ils étaient ignorants et manipulés par l'esprit aussi. Mais je n'avais pas ce qu'on pourrait appeler une conscience activée, au départ dans ma vie. Disons, voire aucune conscience du tout. Mais il y en avait encore assez pour que je ne pense pas que réduire en esclavage la population de la Terre était quelque chose que nous devrions essayer de faire. Il restait au moins cette part de conscience. Ainsi, lorsque j'ai pris conscience que j'avais été impliqué à un niveau très bas dans ces confréries si sinistres et organisées, j'ai pris du recul, j'ai réévalué ma propre vision du monde et mon propre comportement. Je me suis rendu compte que ces groupes sataniques de bas niveau fonctionnaient en fait comme un système de validation et de filtrage psychologique. Faites bien attention à ce terme. Un système de validation et de filtrage psychologique. Je vais vous lire dans un instant le document de candidature à une organisation de bas niveau, comme celle de l'Église de Satan. Il s'agit d'un système de filtrage pour leur système hiérarchique mondial de contrôle totalitaire, qui est basé sur l'idéologie de l'occultisme obscur. Les ordres sataniques de bas niveau, comme l'Église de Satan, agissent comme une interface avec le grand public, et servent à grande échelle pour localiser les personnes ayant certains traits de personnalité et ensemble de compétences. Et l'une des compétences qu'ils recherchaient particulièrement, je crois, chez quelqu'un comme moi, c'était des compétences en communication. Excusez-moi, laissez-moi reprendre mes notes. Les structures sataniques de bas niveau comme l'Église de Satan agissent comme une interface avec le public et servent à grande échelle pour localiser les personnes ayant certains traits de personnalité et compétences que le réseau plus large des occultistes sombres désire exploiter à ses propres fins. Ces personnes sont ensuite préparées pour être placées à des postes de pouvoir au sein des institutions sociales afin de faire avancer leur programme commun prédéterminé. Il s'agit donc d'un système de validation et de filtrage psychologique, et ils recherchent des caractéristiques psychopathiques. Des personnes qui s'engageront et qui prendront part à l'asservissement de leurs semblables. Voici ce qu'on peut observer dans l'organisation générale. Et encore une fois, ce n'est pas complètement détaillé. C'est un organigramme très général de la façon dont ces ordres sataniques de bas niveau opèrent en tant qu'interface avec le grand public pour faire monter les gens depuis les rangs les plus inférieurs. Donc, les groupes occultes sombres de bas niveau tels que l'Église de Satan, qu'on aurait ici, en bas, les ordres occultes sombres de bas niveau, l'Église de Satan, le Temple de Seth, etc., fonctionnent comme des systèmes de filtrage et de contrôle psychologique pour le réseau satanique hiérarchique mondial de contrôle totalitaire. Les ordres sataniques de bas niveau, tels que l'Église de Satan, agissent comme une interface avec le grand public et servent à grande échelle pour localiser les personnes ayant certaines compétences, traits de personnalité et ensemble de compétences qu'ils veulent exploiter. Au fur et à mesure que vous montez dans cette organisation, ils prennent des gens du grand public, ils les font travailler dans les postes de bas niveau de ces ordres, puis vous montez ici, et ils placent certaines de ces personnes à ce niveau, contrôle financier, contrôle politique, contrôle des médias, etc. Ces organisations sont également dirigées par des occultistes sombres, et ils filtrent les gens une fois qu'ils les ont préparés à partir de ces niveaux inférieurs. Ils les préparent à occuper des postes de pouvoir à ce niveau, puis ils passent à des niveaux de pouvoir plus élevés et à des niveaux plus élevés d'occultisme sombre à partir de là. Des ordres occultes sombres de niveau supérieur, tels que Skull and Bones, les agences de renseignement, qui sont des ordres occultes sombres, le Bohemian Club, etc. Vous voyez ? Et les think tanks, comme l'Institut Tavistock, ou le groupe Bilderberg, etc. Ensuite, vous avez le plus haut niveau d'occultisme sombre qui provient d'anciennes lignées de familles dirigeantes. Encore une fois, ces familles très anciennes qui viennent directement du monde antique, de l'Égypte ancienne liée aux pharaons, aux rois de Sumer, et ou jusqu'à l'époque antédiluvienne. Et puis, ça se connecte même avec les entités non humaines, dont j'ai parlé dans certains de mes travaux. Mais je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus aujourd'hui.
Mais vous devez comprendre que c'est la façon dont ces groupes de bas niveau fonctionnent. Ils constituent un système de filtrage et de contrôle psychologique. Jetons un coup d'œil à la demande d'adhésion à l'Église de Satan. Voici la demande d'adhésion à l'Église de Satan. Demande d'adhésion pour devenir un membre actif. Indiquez votre nom complet, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre sexe, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre taille, votre poids, la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, votre état civil, le nom, la date et le lieu de naissance de votre conjoint si vous êtes marié, le nombre d'enfants et leur âge, votre religion antérieure, vos affiliations religieuses et les fonctions occupées, votre nationalité, votre origine ethnique, votre citoyenneté actuelle, votre formation et vos diplômes, votre profession actuelle, vos intérêts particuliers, vos talents, vos capacités, vos loisirs, vos collections. Je suis intéressé à participer à des groupes d'intérêts spéciaux, oui ou non. Je suis intéressé à participer à des contacts avec des membres actifs locaux. Je me souviens avoir coché cette case. C'est comme ça que je me suis impliqué. Je suis intéressé à servir de point de contact ou de représentant des médias dans ma région. Oui ou non? Maintenant, voici les questions auxquelles vous devez répondre sur des feuilles de papier séparées sous forme d'essais, comme des réponses étendues. Répondez à toutes les questions suivantes sur des feuilles de papier supplémentaires. Quelles sont vos impressions sur la Bible satanique, le livre écrit par Anton LaVey, qui rassemble l'idéologie satanique dans un livre? Il a été poussé à écrire ce livre. Il a été poussé à l'écrire par des occultistes obscurs de plus haut niveau. L'un de ses enfants l'a révélé dans le passé, expliquant qu'on lui avait demandé, qu'on l'avait chargé d'écrire ce livre, pour donner toute l'idéologie du satanisme à un niveau beaucoup plus bas et édulcoré au grand public, afin d'identifier les personnes qui seraient attirées par ce système de croyances et qui rejoindraient leur rang. Qu'espérez-vous accomplir en devenant membre de l'Église de Satan? Si on vous accordait 3 vœux, quels seraient-ils? Quelle est votre attitude envers les animaux? Si vous avez des animaux domestiques, décrivez-les. Quel est votre animal idéal? Vous allez voir qu'au fur et à mesure que ces questions s'approfondissent, il s'agit d'un profil psychologique. Ils établissent un profil psychologique afin de pouvoir identifier ce que nous pouvons tirer de cette personne, comment nous pouvons l'utiliser, à quel point sont-ils déjà psychopathes. Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle? Décrivez votre idéal d'un partenaire sexuel physiquement attirant. Quel est le but dans votre vie? Quelles mesures avez-vous prises pour atteindre le but de votre vie? Trouvez-vous certains de nos principes répréhensibles? Si oui, quels principes sont répréhensibles pour vous et pourquoi? Combien d'années aimeriez-vous vivre? Quels sont vos goûts musicaux? Donnez un exemple. Citez des films que vous considérez comme vos préférés et pourquoi. Quelles sont vos préférences alimentaires? Citez des livres que vous considérez comme vos préférés et pourquoi. Si vous possédez une voiture, décrivez-la. Quelle est votre voiture idéale? Quand vous étiez enfant, quels étaient vos passe-temps favoris? Quelle était votre disposition d'esprit quand vous étiez enfant? De quel pays autre que celui dans lequel vous résidez maintenant, vous préféreriez être résident? Dans quel type de logement est-ce que vous habitez? Décrivez votre maison idéale. Décrivez votre philosophie politique. Quelle est votre définition personnelle de la magie? Vous sentez-vous opprimé ou persécuté d'une manière ou d'une autre? Si oui, expliquez pourquoi. Êtes-vous autosuffisant ou êtes-vous plus productif en groupe? Vous faites-vous facilement des amis quand vous le souhaitez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La satisfaction personnelle ou l'approbation des autres? Préférez-vous influencer les autres ou être influencé par les autres? Pensez-vous avoir des capacités de leadership? Pensez-vous être un bon juge de caractère? De quels autres organismes êtes-vous membre? Avez-vous déjà pris ou utilisé des drogues illégales? Ou avez-vous déjà été condamné pour un crime? Si c'est le cas, expliquez-le en détail. L'usage de drogue est extrêmement mal vu dans cette forme de satanisme. Et à votre avis, quelle est la substance la plus désapprouvée par rapport à toutes les autres? Le cannabis, merci. Vous étiez carrément ostracisé si vous évoquiez à peine le cannabis, parce qu'ils connaissent son potentiel et son pouvoir de guérison. Ils connaissent non seulement son potentiel de guérison physique, mais aussi psychologique, et ils ne veulent pas que quelqu'un y touche. Voyons où j'en étais.
Décrivez une expérience significative dans votre vie, à la limite de ce que vous considéreriez comme le paranormal ou le démoniaque, s'il y en a. Quelles sont les formes de divertissement que vous préférez ? Racontez une de vos blagues préférées. Avez-vous déjà servi dans les forces armées ? Si oui, fournissez des données pertinentes. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rejoindre l'église de Satan depuis que vous en avez pris connaissance ? Fumez-vous ? Si oui, dans quelle mesure fumez-vous ? Avez-vous accompli quelque chose d'important ou de significatif dans votre vie ? Si oui, quoi ? Quel est le parent que vous admirez le plus et pourquoi ? Consommez-vous des boissons alcoolisées ? Si oui, dans quelle mesure ? Indiquez vos préférences. Avez-vous des services ou des ressources tangibles que vous souhaiteriez mettre à la disposition de notre organisation ? Êtes-vous libre de voyager ? Et si oui, dans quelle mesure ? Donnez votre définition personnelle de Satan. Signez ce qui précède et joignez une photo personnelle. Si ce n'est pas un profil psychologique, alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà la manière dont je m'en suis sorti facilement. Et quand je raconte cette histoire aux gens, ils ont du mal à y croire, parce qu'ils pensent que c'est comme la mafia, ou ils vont s'en prendre à vous parce que vous savez où tous les corps sont enterrés. Eh bien, d'une part, je ne savais pas vraiment où les corps étaient enterrés, parce qu'au niveau de satanisme dans lequel j'étais impliqué, ils ne passaient pas leur temps à sortir et à commettre des crimes, ok ? Et à vous emmener dans tout ce monde de syndicats du crime. Ils parlaient ouvertement de la façon dont ils contrôlaient tout et de leurs plans. Mais, vous savez, il n'y avait pas de véritable crime physique commis à ce niveau. Je suis sûre qu'une fois que vous arrivez à des niveaux qui font ça, alors ils s'en soucient beaucoup quand tu leur dis « Bye les gars, je m'en vais maintenant ». Vous voyez, mais pas au niveau où j'étais impliquée. Après avoir compris comment ces organisations sataniques fonctionnaient et comment j'étais utilisée, ma conscience ne me permettait pas d'aller plus loin. Je me suis donc retirée de toute affiliation continue avec ces groupes. Ils ne se souciaient pas du tout du fait que je ne voulais plus être impliquée dans leur programme. Un sataniste m'a même dit « Fais ce que tu peux faire de pire » lorsque j'ai exprimé le désir d'exposer leur plan en public. Il m'a dit que je me taperais la tête contre un mur en béton pour le reste de ma vie. Un autre m'a dit que la population générale était déjà si complètement contrôlée par les occultistes de l'ombre que si eux-mêmes rendaient leur plan public et expliquaient aux gens ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils prévoient de faire à l'avenir, le public n'accepterait pas la vérité, même si elle venait de leur part. Imaginez ça. Ils ont dit, si nous nous présentions et expliquions qui nous sommes, comment nous agissons, ce que nous avons fait et ce que nous prévoyons de faire, le public ne l'accepterait pas de notre part. Nous ne pourrions pas les sortir de la transe mentale dans laquelle ils se trouvent, même si nous le voulions. Donc en gros, ils m'ont dit, tu veux partir ? Ne laisse pas la porte se claquer trop fort contre ton derrière. C'était ça leur attitude. Des années plus tard, et après des recherches beaucoup plus approfondies sur la conscience humaine et l'occultisme lumineux, j'ai finalement commencé à enseigner aux autres les techniques d'influence et la manipulation employées par ces occultistes obscurs. J'ai commencé à leur enseigner leurs idéologies profondément tordues et leur programme global de contrôle totalitaire, que beaucoup ont fini par appeler le Nouvel Ordre Mondial. Je l'appelle le Nouvel Ordre Mondial Obscur. Examinons les principaux préceptes de l'idéologie satanique. Les doctrines au cœur de ce système de croyances et de cette ancienne religion. Avant d'aborder ce que j'appelle les quatre principes fondamentaux, examinons certaines des choses qu'ils ont publiées à propos de ce qu'ils représentent. C'est ce qu'on appelle les 9 déclarations sataniques d'Anton LaVey, tirées de son livre « La Bible satanique ». Satan représente la gratification plutôt que l'abstinence. Donc, il s'agit de nourrir le soi, en vivant pour le plaisir. Je ne dis pas que tout le monde devrait se cantonner à vivre une vie de moine totalement ascétique. Je n'ai jamais prétendu ça. Je n'ai aucun problème à ce que les gens prennent du plaisir ici sur Terre. Mais c'est lorsque vous en faites la chose la plus importante à laquelle vous vous identifiez et que vous voulez vivre pour ça tout le temps que ça devient un problème. D'accord ? Donc, c'est la première chose que Satan représente pour les satanistes.
Ça ne dit pas qu'il représente le diable chrétien et que nous devrions nous mettre à genoux et l'adorer. Ça dit qu'il représente la gratification, la satisfaction, c'est-à-dire le fait d'obtenir ce qu'on désire. C'est la première chose que Satan représente pour les satanistes. Satan représente l'existence vitale plutôt que les chimères spirituelles. Satan représente la sagesse pure plutôt que l'aveuglement hypocrite. Et je veux juste ajouter que c'est ce que le satanisme représente aux yeux des satanistes, par les satanistes et pour les satanistes. Le sataniste ne veut pas de ces choses pour les autres. Ils veulent ces choses pour eux-mêmes uniquement. D'accord ? Satan représente la bonté envers ceux qui la méritent plutôt que l'amour gaspillé envers des ingrats. Satan représente la vengeance plutôt que de tendre l'autre joue. Satan représente la responsabilité envers les responsables plutôt que de se soucier des vampires psychiques. Le septième est un point très important. Satan représente l'homme en tant qu'animal comme les autres. Parfois meilleur, mais plus souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes. Grâce à son développement spirituel et intellectuel, entre guillemets divin, il est devenu l'animal le plus vicieux de tous. Numéro 8. Satan représente tous les soi-disant péchés, car ils mènent tous à une gratification physique, mentale ou émotionnelle. Numéro 9. Satan a été le meilleur ami que l'Église ait jamais eu, car il l'a maintenu en activité pendant toutes ces années. Le satanisme a aussi des péchés. Il y a des choses que les membres ne doivent jamais faire ou auxquelles ils ne doivent jamais participer. Je décris cette section comme les 9 péchés sataniques, les soi-disant péchés sataniques entre guillemets. Il s'agit de ce que les satanistes interdisent dans leur propre rang, mais ce qu'ils souhaitent vendre à tous les autres, afin que tous les autres soient plus faciles à manipuler et à contrôler. Les 9 péchés sataniques, la stupidité, c'est la première chose qu'ils veulent que le public soit. Mais ils ne veulent pas être stupides, ils veulent avoir toutes les connaissances. Ils veulent que le public soit stupide. L'arrogance, le solipsisme, à nouveau, ce qui signifie que la vérité n'existe pas. La croyance que la vérité n'existe pas. Les satanistes ne pensent pas que la vérité n'existe pas. Les satanistes savent que la vérité existe. Ils veulent la comprendre et la cacher aux autres. Ainsi, ils peuvent contrôler les gens qui sont dans ce niveau d'ignorance de la vérité. Donc, ils veulent vendre le solipsisme à d'autres personnes. C'est pourquoi le solipsisme est si énorme dans le mouvement religieux New Age. C'est vraiment un énorme principe dans les croyances New Age. L'idée qu'il n'y a pas de vérité, ou que tout n'est que perception. C'est ma vérité, ta vérité, ou sa vérité. Numéro 4, l'aveuglement, l'auto-illusion. 5, la conformité du troupeau, les comportements grégaires. Ils ne se considèrent pas comme des membres du troupeau humain. Ils veulent que tous les autres se conforment au troupeau, mais pas eux. Ils veulent être les fermiers qui dirigent le troupeau. 6, le manque de perspective. 7, l'oubli des orthodoxies passées. 8, l'orgueil contre-productif. Et 9, le manque d'esthétique, qui complète les prétendus péchés sataniques. Je dirais que le plus important est le solipsisme, contre lesquels les satanistes eux-mêmes mettent en garde dans leur propre rang. Tout d'abord, ce n'est même pas un mot ou une idéologie que l'on entend et qu'on utilise très souvent. Et ils ont pris l'initiative de le placer très haut dans leur liste de péchés, entre guillemets, parce qu'ils veulent que leurs membres sachent ce qu'est le solipsisme et qu'ils sachent qu'ils ne devraient pas y participer, mais qu'ils veulent le vendre à tous les autres. Et c'est ce que j'ai identifié comme les 4 grands principes fondamentaux prédominants du satanisme, qui sont les suivants. L'égoïsme est l'objectif suprême. Les membres de base ne s'en cachent même pas. Le premier principe du satanisme est le dicton selon lequel, entre guillemets, la préservation de soi est la loi suprême. Et cela va bien au-delà de la simple survie physique. En d'autres termes, la survie et le confort de l'individu physique sont toujours un objectif plus important que de faire ce qui est moralement juste. Ne vivez que pour vous-même et ne vous souciez que de vous et des vôtres. Si vous devez vous débarrasser des autres pour obtenir ce que vous voulez, qu'il en soit ainsi, car c'est un monde où les loups se mangent entre eux. Le principe qui définit de façon déterminante la vision globale du monde du satanisme
Et la pensée perpétuelle, inexorable, du moi, 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 moi. Donc, pensez-vous que c'est l'idéologie qui anime la plupart des gens dans ce monde ? Est-ce que la plupart des gens pensent comme ça, dans la journée, tous les jours ? Seriez-vous d'accord ou non avec le fait que la grande majorité des individus de notre société souscrivent à une telle vision égoïste du monde ? Absolument. C'est ce que j'appellerai plus tard le satanisme mini-moi. Le fait qu'ils doivent transmettre leurs croyances à des personnes d'un niveau inférieur sans qu'elles soient conscientes qu'il s'agit d'une religion à laquelle elles ont souscrit. Pour qu'elles soient sous leur coupe et contrôlées par eux. Le deuxième grand principe du satanisme est le relativisme moral. Le relativisme moral est l'idéologie selon laquelle il n'existe pas de différence objective entre un bon comportement et un mauvais comportement. Les êtres humains peuvent donc arbitrairement créer, ou entre guillemets, décider du bien et du mal pour eux-mêmes en fonction de leurs propres caprices et préférences. Le bien n'est pas quelque chose qui existe dans la nature. Vos droits sont une chose qui peut être inventée et ensuite retirée si nous le voulons. Nous décidons de ce qui est bien et mal. Nous décidons de ce qui est un droit et de ce qui ne l'est pas. Vous comprenez ? En d'autres termes, ce que nous considérons comme juste pour nous-mêmes doit être ce qui est juste. Et ce que nous considérons comme mal pour nous-mêmes est ce qui doit être mal. C'est l'idéologie du relativisme moral. Selon les lois inhérentes et objectives de la moralité, la loi naturelle, la quantité globale de moralité présente dans la vie des gens d'une société donnée est directement proportionnelle à la quantité de liberté dans cette société. Ou, en d'autres termes, plus la moralité augmente, plus la liberté augmente. Plus la moralité décline, plus la liberté décline. Puisque cette loi est éternellement vraie, la vraie liberté ne peut jamais exister dans une société qui embrasse le relativisme moral. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut jamais exister. La liberté ne peut jamais exister dans une société qui embrasse l'idéologie du relativisme moral. C'est une impossibilité selon les lois de la nature. Et pourtant, combien de personnes dans notre société, pensez-vous, mesdames et messieurs, souscrivent à l'idéologie du relativisme moral, selon laquelle il n'y a pas de bien ou de mal objectivement dans la nature elle-même ? Vous comprenez ? Nous pouvons inventer ce qu'est un droit. Les hommes peuvent inventer et accorder ce droit à d'autres personnes. Et ensuite, si nous le décidons, la prochaine fois, nous pourrions dire non, finalement ce n'est plus un droit. Nous vous emprisonnerons, nous vous jetterons dans une cage pour avoir eu ce comportement. Notre société entière est basée sur le relativisme moral qu'on appelle les lois de l'homme. Et la grande majorité des marcheurs zombies qui déambulent dans la société adhèrent aussi à la religion du relativisme moral. Ils croient en la religion du satanisme sans même comprendre ce qu'elle est, ou sans comprendre qu'ils sont membres de cette religion par leurs propres croyances. Le troisième principe du satanisme est le darwinisme social. Le darwinisme social est l'extension de la théorie de l'évolution, entre guillemets, macrobiologique darwinienne, appliquée à la société humaine, c'est-à-dire l'extension de cette théorie au domaine sociétal humain. Les partisans de l'évolution macrobiologique darwinienne postulent la notion de survie des animaux les plus aptes, ce qui signifie que les animaux les plus dominants gouverneront leur couche sociale. Appliquée au domaine humain, cette théorie met en avant la notion selon laquelle, premièrement, ouvrez les guillemets, il est dans l'ordre naturel, combien de fois ai-je entendu cela, et même souhaitable que la société humaine soit gouvernée par les êtres humains les plus dominateurs et vicieux. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a dit, avec un regard sérieux et direct, que c'était l'ordre naturel des choses, que les humains dominants, les alphas, soient au sommet et qu'ils dirigent tous les autres. C'est juste la façon dont les choses sont, c'est l'ordre naturel des choses.
Il n'y a rien de naturel là-dedans, les amis. Et croyez-moi, il n'y a aucun ordre là-dedans. Vous n'obtiendrez que le chaos en participant à ce système de croyances. Le deuxième postulat du darwinisme social est que les gènes de ces humains, leur génétique, est la raison pour laquelle ils acquièrent leur position de pouvoir. Et leur génétique est la raison pour laquelle ils maintiennent ces positions de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la situation sociale dans laquelle ils sont nés ou, vous savez, la quantité de ressources qu'ils ont eues à disposition à leur naissance, ou les lignées dont ils sont issus parce qu'ils sont nés de familles dirigeantes ultra riches. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont leurs gènes qui les ont amenés là et à maintenir cette position. Ça n'a rien à voir avec le dogme absolu de l'argent et avec les comportements les plus déviants qu'auront les gens si on leur donnait assez d'argent, pour que leur propre maître esclavagisse. Pour leur propre maître esclavagiste en plus. Non, leur génétique maintient cette position pour eux. Cela a beaucoup de sens logique. Non seulement c'est malsain et parasitaire, mais vous pouvez voir à quel point cela a du sens. Seriez-vous d'accord ou non avec le fait que la grande majorité des individus de notre société souscrit à l'idéologie du darwinisme social? Je dirais oui. Je dirais que la plupart y souscrivent, le plus souvent. Le quatrième et le dernier grand principe amène toute l'idéologie à sa solution finale. L'eugénisme. Ou ce que je vais commencer à appeler le dysgénisme. Et l'épi-eugénisme, que je vais commencer à appeler l'épi-dysgénisme, parce qu'il n'y a rien de bon à ce sujet. Ils n'essaient pas de créer quelque chose de bon au bout du compte, les amis. Ils dégradent définitivement le génome humain. C'est cela que j'appelle le dysgénisme. Parlons du mot eugénisme, la définition classique du mot eugénisme. Le mot eugénisme est un néologisme dérivé du grec eugénès, qui veut dire « bien-né ». Qui est à son tour dérivé de l'adjectif grec « iou », qui signifie « bon », et du nom grec « génos », qui signifie « race » ou « troupeau ». L'eugénisme est une idéologie sociale préconisant la promotion de taux plus élevés de reproduction sexuelle pour les personnes présentant les traits et caractéristiques souhaités par ses partisans. Permettez-moi de répéter. L'eugénisme est une idéologie sociale qui préconise la promotion de taux plus élevés de reproduction sexuelle pour les personnes ayant les traits et les caractéristiques souhaitées par ses partisans. Parallèlement, elle met en avant la notion de réduction des taux de reproduction sexuelle et de stérilisation pour les personnes présentant des traits et des caractéristiques indésirables. Nous voulons donc qu'il y ait plus de naissances de personnes ayant les traits et les caractéristiques que nous souhaitons, et nous voulons qu'il y ait moins de naissances de personnes qui ont les traits et les caractéristiques que nous ne désirons pas. Ce principe décrit l'idéologie du satanisme portée à sa conclusion ultime. Ça donne quelque chose comme ça. Puisque l'homme est Dieu, qu'il peut décider de ce que sont le bien et le mal, et puisque c'est simplement, entre guillemets, l'ordre naturel des choses pour les humains les plus impitoyables, dont les gènes sont les plus aptes, de diriger le reste du troupeau humain, cette classe d'élite d'êtres humains, occupant les plus hautes positions de pouvoir dans le monde, a tout le droit de décider qui est autorisé à vivre et à procréer et qui doit mourir. C'est ça l'eugénisme, les amis. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Mais vous savez la chose encore plus sinistre qui se passe dans ce monde ? L'épi-eugénisme. L'épi-eugénisme est mis en place et les gens n'en sont absolument pas conscients. Même si les gens ont entendu parler de l'eugénisme, ils pensent qu'il s'agit de stérilisation forcée comme dans les années 20. Ils n'ont plus besoin de forcer quoi que ce soit. Nous nous sabotons nous-mêmes. Nous nous sabotons nous-mêmes et nous donnons naissance à des traits et des caractéristiques dans les générations suivantes qui sont élevés sur mesure pour l'esclavage. Et nous le faisons de manière totalement inconsciente, parce que nous ne voyons pas ce que ces fermiers humains font à nos esprits.
L'épi-eugénisme, un terme que j'ai moi-même inventé, est la propagation de l'eugénisme par le biais du contrôle de l'esprit et, entre guillemets, de l'élevage sélectif, par la population même que la stratégie eugénique vise à détruire. On pourrait dire que c'est faire en sorte que le troupeau se sabote lui-même. Cette stratégie de sabotage génétique se manifeste de la manière la plus évidente et la plus troublante dans l'androgynisation acharnée des genres, dans la culture occidentale et dans les mouvements idéologiques et pratiques néo-féministes modernes. Et je couvrirai cela dans une présentation extensive sur 2 jours que je donnerai au forum Free Your Mind. Ce sera mon sujet. Ça s'appellera le féminin profanateur. Le néo-féminisme est l'agenda épi-eugénique satanique. Peut-être serait-il préférable de se référer aux stratégies de l'eugénisme et de l'épi-eugénisme telles qu'elles sont employées par les occultistes sombres en tant que dysgénisme et épi-dysgénisme, qui sont, je pense, des termes beaucoup plus appropriés. Nous devons cesser d'utiliser le mot « e » dans la première partie de « eugénisme », qui signifie « bon » en grec. Il n'y a rien de bon là-dedans, les amis. Il s'agit de dégrader la génétique humaine et finalement de dégrader l'âme humaine. Je prendrai les questions à la fin de la présentation. Vous pouvez y aller, absolument. Je vais prendre un peu de temps ici pour montrer une interview avec un vrai sataniste qui était aussi prêtre dans l'organisation où j'officiais dans l'église de Satan. Il a ensuite quitté l'église de Satan. Et il l'a quitté parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez diabolique pour lui. Il disait que ce n'était pas assez hardcore pour lui. Il pensait que ce n'était pas assez fasciste pour lui. Et il déclarait que ça ne prenait pas l'eugénisme de manière suffisamment brutale pour lui. C'est quel genre de psychopathe, ça ? Cependant, à la décharge de cette personne, vous verrez à quel point cette personne est psychopathe dans cette interview. Mais à sa décharge, plus tard, de nombreuses années plus tard, bien des années après que je sois sorti de cette mentalité, il a finalement brisé cette mentalité et est devenu bouddhiste. Je ne dis pas qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il est devenu anarchiste spirituel. Mais bon, c'est beaucoup mieux que là où il en était. Vous voyez, parfois on doit procéder comme ça et progresser par étapes. Son nom est Nicolas Schreck. Et à l'époque, il était le partenaire de vie de la fille d'Anton LaVey, Zina LaVey. Vous allez donc l'entendre parler de sa musique, de la promotion de l'idéologie satanique dans cette interview. Et je veux que vous prêtiez une attention toute particulière à certaines des choses qu'il dit. Alors c'est parti. Nicolas Schreck. Bonjour, ici Tom Metzger, votre hôte pour Race and Reason, l'émission la plus ancienne de ce type sur la télévision câblée diffusée dans tout le pays sur de très nombreux systèmes locaux d'accès au câble. Et ces systèmes d'accès au câble desservent souvent 3, 4, parfois 5 villes et villages. Et nous sommes dédiés, bien sûr, à la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, ce qui dérange certains de nos opposants. Nous pensons que nous sommes sur un îlot de liberté d'expression dans un océan d'informations contrôlées et manipulées. Et si vous ne pensez pas que les nouvelles et la pensée sont contrôlées, souvenez-vous que seulement 26 sociétés détiennent tous les médias aux États-Unis. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très intéressant qui a déjà participé à l'émission. Son nom est Nicolas Schreck et il a un groupe musical et une organisation qui s'appelle Radio Werewolf, qui qualifie d'organisation musicale terroriste. C'est aussi un écrivain révisionniste qui a écrit un livre intitulé « The Study of Charles Manson ». Ravi de vous avoir parmi nous, toujours un plaisir.
Qu'est-il arrivé à Nicolas Schreck depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ? Eh bien, nous entrons dans la phase 2 de l'opération Radio Werewolf pour la domination du monde. Et ce que nous faisons est une guerre culturelle en ce moment, sur tous les fronts de la musique et de la littérature, en utilisant les médias contre eux-mêmes. Ce que nous essayons de faire est de ramener une résurgence de la tradition de l'Europe occidentale qui a été pratiquement perdue dans le monde. Et nous utilisons la musique, parce que c'est l'instrument auquel les jeunes répondent en ce moment. Nous faisons de la propagande, directement, pour réveiller le loup en l'homme. Parce que le loup est un symbole de la puissance et de la fureur de l'Europe occidentale. Et c'est pourquoi nous utilisons l'imagerie du loup-garou. Vous avez utilisé ce que vous appelez la musique néo-gothique dans le passé. Eh bien, le gothique, bien sûr, est une tribu germanique. Et il y a un esprit chez les peuples occidentaux qui est unique au monde. C'est l'esprit gothique. Et je pense que c'est la forme la plus pure de la culture occidentale. Et je pense que nous gardons cette flamme vivante dans le groupe Radio Loup-Garou. J'ai cru comprendre que vous parliez de l'évolution de votre musique et qu'elle s'orientait de plus en plus vers la politique. Eh bien, je ne dirais pas politique, parce que nous transcendons la politique. La politique est presque un spectacle de marionnettes pour les êtres humains, et nous transcendons cela. Mais nous sommes intéressés par le contrôle des êtres humains à nos propres fins. Vous avez un symbole sur votre bras gauche, ici. Pourriez-vous vous décaler un peu et nous montrer ce qu'est ce symbole ? C'est la 13e rune de l'ancien alphabet runique du peuple nordique, et il représente Yggdrasil, l'arbre de vie. Et c'est le point de rencontre entre la vie et la mort. Est-ce l'arbre sur lequel Odin est censé avoir été crucifié ? Exactement. Et c'est l'arbre qui soutient symboliquement l'univers. Et nous utilisons le symbole du loup pour la fondation Abraxas, qui est une sorte de société de Thor des années 90. Pour reprendre les mots de mon collaborateur, Boyd Rice, c'est un think tank occulte fasciste. Et ce que nous faisons, c'est trouver de nouvelles stratégies et techniques pour amener cette renaissance culturelle dans le futur, dans les années 90. J'ai remarqué que vous aviez une bague de loup à votre doigt. Eh bien, comme je l'ai expliqué, le loup a toujours été une image particulièrement européenne occidentale. Et le loup représente la bête dans l'homme. C'est ce que nous cherchons à libérer dans l'humanité, parce qu'il a été réprimé et dompté par les valeurs judéo-chrétiennes. Et c'est surtout cela que nous cherchons à éradiquer. Le loup doit être déchaîné. Nous pouvons nous référer à la mythologie nordique, où Fenris, l'ancien loup-dieu, a été déchaîné sur le monde au moment où s'est produit le Ragnarok, la fin du monde. Et symboliquement, c'est ce que nous subissons en ce moment dans l'histoire. La fin de l'ancien ordre, la fin de l'ancien monde et le début d'un nouvel ordre. La fin d'un mode de pensée plus déterministe, économique et le déplacement vers la race et la culture. La fin de toutes les idées, de chacune des idées traditionnelles du passé. À mon avis, nous vivons dans un monde mort. Toutes les traditions du passé sont décadentes, mortes, corrompues, et quiconque continue à s'y accrocher sont comme les asticots qui s'accrochent à un cadavre. Donc cette musique aujourd'hui, vous la verriez comme... La musique d'aujourd'hui est une sorte de foutaise absolue. Elle est conçue pour garder les jeunes gens passifs, retenus, et elle est conçue pour les apprivoiser et en faire des sortes de moutons domestiques. Je séparais les jeunes d'aujourd'hui en deux races. Il y a les prédateurs, qui sont les loups, et il y a les moutons, ce qui constitue la plupart d'entre eux. Et nous faisons appel à une élite. Nous sommes franchement une organisation élitiste. Nous recherchons quelques personnes excellentes. Nous ne voulons pas d'un tas de merdeux. Nous ne voulons pas avoir un tas de suiveurs médiocres. Ce que nous voulons, ce sont des gens qui sont capables d'agir. Est-ce que vous voyez beaucoup d'éléments de ce dont vous parlez dans d'autres musiques ? Je pense que le mouvement skinhead est un élan très positif pour s'éloigner de la décadence de la culture rock et de la drogue qui a tant dominé la jeunesse. Mais comme Adolf Hitler l'a dit, nous cherchons à faire naître une jeunesse qui a fermé son cœur à la pitié. Toutes les valeurs humanistes que le judéo-christianisme a encouragées, nous voulons les anéantir. Elles ont conduit à la démocratie, à l'humanisme social, à l'idée d'égalité. Toutes ces saletés doivent être éliminées si la race humaine veut continuer à faire le prochain pas dans son évolution.
Comment croyez-vous que ce serait si vous aviez le contrôle? Quelle attitude vous auriez face à votre propre peuple? Eh bien, nous avons le contrôle, parce que, fondamentalement, nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes une organisation occulte. Nous travaillons dans les coulisses pour manipuler la façon dont les gens pensent. La guerre que nous menons est une guérilla sur l'esprit humain, et nous utilisons des fréquences musicales, la fréquence dominante à laquelle j'ai fait référence, ainsi que le symbolisme et l'imagerie pour réveiller les aspects dormants de l'esprit humain. Est-ce qu'il vous est difficile d'obtenir des dates et des lieux pour vous produire et des choses comme ça? Nous ne travaillons plus dans le contexte de toute cette sphère d'activité. Nous allons dans une direction beaucoup plus élitiste. Nous ne recherchons que des personnes compétentes et prêtes à agir. Il y a beaucoup de gens qui seront dans le public ou spectateurs, mais nous voulons des gens qui vont agir. Et donc la Fondation Abraxas existe depuis un certain moment ou... La Fondation Abraxas est une organisation que Boyd Rice et moi-même avons fondée. Elle est dédiée à la promotion des valeurs que nous considérons comme vraies et déterminées par l'ordre naturel. Et à notre avis, l'humanité s'est éloignée de la nature et le mélange des races, le suicide génétique, la destruction du bain génétique, tout cela est complètement opposé, contraire à l'ordre naturel. Nous devons revenir à l'ordre. Est-ce que cela pourrait être un parallèle avec le nietzschisme ou Nietzsche? Eh bien, Nietzsche a certainement été un précurseur de notre pensée, parce qu'au fond, nous nous préoccupons de l'évolution, du maintien du meilleur de l'humanité et de la destruction de la faiblesse, de la destruction de tout ce que le judéo-christianisme a soutenu et maintenu en vie. Nous ne nous préoccupons pas des sans-abri, en particulier, nous ne nous préoccupons pas d'aider les gens. Nous ne cherchons pas à convertir les gens. En ce qui me concerne, en cette année 1988, nous sommes à un point de rupture. Soit vous êtes avec nous maintenant, soit vous ne serez jamais avec nous. Que pensez-vous d'écrivains comme Oswald Spengler, qui écrit sur le déclin de l'Occident, des cycles, etc.? Je crois vraiment que nous sommes au début d'un cycle d'ordre. Les années 60, il y a 20 ans, représentaient un cycle de décadence. Et puisque mon message est directement destiné aux jeunes, je dirais qu'il est temps que les jeunes s'éloignent des valeurs corrompues des années 60, de la culture de la drogue, du mélange des races, de l'égalité. Tout le chaos de cette période est en train de se terminer. Et nous allons voir un nouveau mouvement social dans les années 90 qui fera passer le nazisme et le fascisme pour des jardins d'enfants. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? Je veux dire, on pourrait tous rentrer à la maison, là. Il vient de tout dire. À quel point c'est transparent? À votre avis, quelle infime quantité de personnes ont vu cette interview? Elle n'avait que quelques centaines de vues sur YouTube. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils parlent ouvertement entre eux. Regardez comment ils parlent ouvertement dans une interview publique. Imaginez certaines des choses que j'ai entendues derrière des portes fermées. Imaginez certaines des choses que Jay Parker a entendues dans une lignée générationnelle de psychopathes comme celui-là. Ils sont très directs sur leur programme. Ils sont très ouvertement fascistes et racistes. Il dit qu'il voulait faire ressembler l'Allemagne nazie à un goûter d'anniversaire. I was a moving thing before I was a human being. I was the ice before it melts. I was the tree before it fell. My dear, come near. Do you understand what is happening? Crawl beneath the earth to feel the hunger and the thirst. If you could fly and be the bird, then you would see the forest burn. My dear, come near. Do you understand what is happening? Mm-hmm. Mm-hmm.
understood and somehow calm within the madness of a storm with no solution for the scare, tasting pollution in the air. My dear, come near. Do you feel my hand? It is there. Exhale.